Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo haul. Je vais ouvrir avec vous, enfin, je vais ouvrir un petit peu mon colis donc de la fourmi créative. Voilà, alors en fait, j'ai réuni deux commandes que j'ai faites il n'y a pas très longtemps. Hein, j'ai pas commandé ça en une seule fois. Enfin, bon, j'aurais pu, mais bon, je l'ai pas fait. Donc c'est beaucoup de Prima évidemment, parce que avec les nouvelles collections qui sont sorties, bon il y a un petit moment, mais bon moi j'avais pas craqué encore, et là franchement elles sont trop belles, je suis contente. Alors, j'ai pas craqué pour les trois collections, pour les quatre, j'ai craqué pour Amélie Rose, je sais plus, Vintage Floral et Lavender. Donc voilà, alors on va peut-être commencer justement par les papiers. Alors, vous avez dû les voir plein de fois, donc j'ai pris donc la collection, pardon, Lavender, et en général j'en ai pris deux, parce que je ne sais jamais laquelle choisir, donc je suis toujours en train, donc j'en prends maintenant, j'en prends toujours deux de chaque, ça fait un petit moment. Voilà, évidemment, il y a du rose gold, et... recto verso, voilà les petites étiquettes et les roses comme ceci. Voilà. Les papillons, certains sont ont du fol aussi. Alors celle-ci je l'aime moins, le recto, mais j'ai pris plutôt pour cela, parce que découper les petits papillons comme ça, moi je suis très petit papillon, j'adore ça. Voilà, trop beau celui-là aussi, ça c'est plus simple mais j'aime bien aussi celui-ci avec cette grille loto. Ouais, on pourrait dire que c'est une grille loto, je pense. Moi, ouais, m'énerve cette lampe. Voilà. Et là, c'est donc la collection Vintage Floral. Alors, pardon. C'est une collection qui est plus pour les planeurs. Mais moi, j'ai vraiment aimé. J'aime bien ce côté un peu très vintage. Et il y a aussi, là, c'est du gold. C'est pas du rose gold, mais du gold. Et pareil, j'ai pris en général deux feuilles de chaque. Voilà, c'est très vintage, j'aime beaucoup. Voilà, mint un peu très clair avec du blanc, j'adore. Esprit petit carreau. C'est pareil, celle-ci elle est super belle aussi. Alors, ce qui est dommage, c'est qu'ici ils n'ont pas fait de fleurs avec. Ouais, pour les travaux, pour les planeurs, les fleurs, voilà. Donc un peu déçu, ils ont fait des die cuts mais pas les fleurs. C'est dommage, parce que j'aurais bien pris, j'aime bien les coloris. Là c'est pareil, ça c'est tout en folle. Et là, les vieilles cartes postales. Moi j'adore. Désolée, on était coupé, j'avais presque plus de batterie, j'ai mis mon cordon. Ensuite là, c'est Amélie Rose. Donc. Ouais, Amélie Rose. Donc avec du fol aussi. Il est trop beau, le petit oiseau là. Donc ça c'est le verso. Donc, comme ça. Voilà. Le verso et le recto. Alors, c'est entre le vintage et le shabby, parce que bon, c'est quand même, il y a quand même pas mal de noir pour du shabby. Mais moi, je trouve ça super joli. Cette espèce de vieille ardoise usée là, j'adore, avec des tickets, pareil du foil, celui-ci, ça, il y a quand même des côtés assez neutres, ça c'est bien parce qu'on peut les travailler. Ensuite, voilà, petit cahier. Et celle-ci un peu plus
On va travailler comme là, ouais, à l'encre. Celui-là, il est très beau aussi. Un marbre rose comme ça. Et ça, c'est la Cherry Blossom. Du coup, je n'ai pas acheté cette collection parce que j'ai mis pas tous les papiers. Et ce papier-là, je l'aime beaucoup. On revient à la Mélia Rose. Avec du cuivre, du rose gold. Et là, un côté un peu plus neutre. Donc voilà pour les papiers que je vais ranger tout de suite avant de les abîmer. Maintenant, évidemment, on en vient. Donc on va passer, on va faire les die cuts. Alors les die cuts, j'ai pris. Alors désolé pour le bruit. Ils sont où ? Voilà. Donc évidemment j'ai pris les die cuts pardon, pour chaque collection. Donc pour vous voyez c'est pour Prima Travel Journal. Donc c'est pour ça qu'ils n'ont pas fait de pour la Vintage Dream là. Ils n'ont pas fait de fleurs. C'est bien dommage. Parce que regardez, c'est trop beau. Alors, je suis désolée, je ne vous les ouvre pas. Parce qu'après, j'en mets partout. J'aime pas les perdre. J'aime bien quand c'est bien rangé. D'ailleurs, j'attends des petites boîtes pour faire un rangement que j'ai vu sur une chaîne. Alors, vous le dire le nom comme ça, je ne sais plus. Mais j'ai trouvé son idée de rangement excellente. Alors, je me suis commandé des petites boîtes, mais sur AliExpress. Parce qu'elles sont vraiment petites. Je les attends. Donc, je pense que j'ai commandé juste il y a 2-3 jours. Donc, j'en ai encore pour 2-3 semaines. Mais je vous montrerai mon rangement die cut. Et franchement, j'espère que ça va fonctionner. Donc voilà, j'aime beaucoup, beaucoup cette collection. Vraiment dommage qu'il n'y ait pas eu de fleurs. Ensuite, là, c'est pour la lavender. Donc toujours avec du gold. Et voilà. C'est pareil, c'est trop mignon. Le petit vélo, j'adore, les papillons, la machine à écrire, enfin, j'aime tout, quoi. Ensuite, j'ai pris, qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, si, parce qu'en fait, il y avait, voilà, je m'en rappelais plus. Il n'y avait pas de fleurs, mais il y avait deux die cuts, en fait. Donc, il y en avait, donc, celle-ci que je vous ai présentée, et celle-ci, pardon, basée que sur les fleurs. Superbe aussi. Voilà, ils sont pas trop gros, a priori, il y en a quelques-uns, il y en a deux. Donc ça, c'est bien. Ensuite, pour la lavender, j'ai pris des petits tickets, comme ça, j'ai trouvé mignon. Ça, par contre, je vais pouvoir ouvrir un. Je pense qu'il doit y avoir ouais, il y a plusieurs modèles. Ah oui, d'accord, il y en a un, deux, trois. Ouais, trois de chaque. Moi j'aime autant utiliser ça. Avant j'achetais les petites cartes de Art Journal là. De Art Journal, de, comment on appelle ça? Oh zut, de les nanas qui font tous les mois là, tous les ans, enfin bon bref. Les petites cartes, voilà. Et en fait, moi je les utilise pas. Donc du coup, j'ai préféré prendre des petits tickets. Et pour finir, les die cuts de la collection Amélia Rose. Qui sont comme ça. Il y en a pas mal aussi. Bon bah c'est très vintage. Hein. Je vous dis, c'est entre le vintage et le shabby. Il y a quand même pas mal de rose et de fleurs, mais il y a pas mal de noir. Et il y en a aussi, voilà, qui sont avec du foil. Alors je crois que pour les die cuts c'est fini avant que je retrouve, mais non. Et là, on va passer aux fleurs. Alors les fleurs. Non, avant de passer aux fleurs. Avant de passer aux fleurs, j'ai deux autres embellissements. J'ai trouvé ces petits cœurs comme ça, en du tissu, hein, de chez Maggie Holmes. Voilà, alors, désolé, je m'éloigne un peu. Ouais, voilà, c'est des petites pastilles, en fait. Donc ça, pour mettre sur les créations, j'ai mis. Je trouve qu'ils étaient bien mignons. Honnêtement, c'est tout con à faire, hein, mais j'ai pas trop envie de m'embêter à les faire. Donc voilà, et puis là, il y avait... Elles étaient en
Il y avait moins 30 ou moins 20, 30 ou 40% dessus. Donc voilà. Donc j'ai pris ça. J'ai pris des petits sequins comme ça, marron. Parce que j'en ai plein avec des couleurs très très flashy. Et j'en voulais des marrons. J'aimerais bien aussi des gold. Des rose gold. Les gold j'en ai, mais des rose gold. J'en trouve pas. Si vous en trouvez, faites-le moi savoir, s'il vous plaît. Bon, ensuite, on va passer aux fleurs papillons, etc. Alors, en général, c'est que du prima, sauf ça. Donc, j'ai pris des pétalous comme ça, parce qu'ils étaient jaunes. Et puis, j'aimais bien les petits papillons. Et qu'ils étaient... Alors, attendez. Vraiment, ils n'étaient pas très chers pour des fleurs. Et c'est vrai que... Oui, 2 euros. Donc, pour mettre sur un album printanier, je trouvais qu'il était beau. Et puis, c'est pas un jaune trop criard non plus. Moi, j'aime les couleurs assez pastel. Donc, j'ai pris ça. Et puis, bah, ensuite, voilà, je me suis un peu lâchée. Alors, celle-ci, c'est les collections Lavender. J'ai pris une comme ça. Là, c'est pareil. C'est Lavender aussi. Là, c'est les petits papillons pour la collection Lavender aussi. J'ai pris ceux-là et j'ai pris ceux-là parce qu'il y en avait deux sortes. Moi, j'adore les papillons. J'ai pris les petites demi-perles comme ça. On les appelle ça comment? Les cristals. Voilà. D'ailleurs, les cristaux, enfin bon. De chez Lavender, pour la collection Lavender aussi. Ensuite, pour... Alors, j'ai pas... Alors, l'autre... Celle que j'ai pas prise, la collection, je crois que c'est Love Story. J'aimais pas trop les papiers, donc, mais par contre, j'aimais beaucoup les fleurs. Donc, j'ai pris celles-ci, qui sont en papier. J'ai pris celles-ci, qui sont en tissu. Elles sont trop mignonnes. Celle-ci, je sais plus si c'est la collection. Je crois que c'est la même collection, c'est Love Story. Alors, il y a des changements de couleurs, parce qu'un coup, il fait bon, un coup, il fait pas. Pourtant, nous sommes le 20 mars, donc... La date du printemps, mais honnêtement, ça cale quelque chose de grave. C'est pas grave. Là, c'est pareil. C'est là. Je crois que c'est la même. Non, ça, c'est Cherry Blossom. Mais je suis un peu déçue. Elles sont vachement à plat plat. Il faudra que je les retravaille, celle-ci. Celle-ci, les petites comme ça, ça se met toujours bien. Ça, c'est Amélia Rose, je crois. Voilà. Ensuite, celle-ci. Ça va être une ancienne. Non, voilà. Wildlife Free, donc c'est une ancienne collection. Et bon, voilà. Les collections qui passent partout. L'ancienne collection aussi, d'une collection Noël, mais j'aime beaucoup, sont les feuilles comme ça. Alors, j'en ai d'autres qui sont je ne sais pas où. Et ce sont des pêches, couleur pêche. Et elles rendent vachement bien. Alors, donc, je les ai vues, elles étaient en promo aussi, pas très chères. Elles étaient à 2 euros et quelques. Donc, je les ai pris en verte. J'ai pris celle-ci. Donc celle-ci, ça doit être, je sais plus. Enfin moi, en général, j'essaie de varier. J'essaie de mettre les fleurs qui correspondent vraiment aux collections. Mais ça peut arriver aussi que j'en pique d'autres. Voilà. Et pour finir, celle-ci avec les deux petits papillons. Encore des papillons. Et ça doit être Amélia Rose. Donc, voilà. Les petits achats, donc voilà, c'est le printemps, il y a plein de fleurs, c'est cool. Hein. On a fait le plein de fleurs, j'en ai recommandé un petit peu sur la bulle à scrap, je sais. Moi, les fleurs, c'est quelque chose, c'est... Voilà, j'adore les fleurs. Les fleurs, les tampons, j'adore. Donc voilà, bah, écoutez, je vous fais des gros bisous. J'espère que cette petite vidéo achat vous aura plu. Et puis, on se dit bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!